Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marwa et aujourd'hui je vais vous présenter mon corpus qui s'intitule La femme marocaine entre authenticité et modernité dans la littérature marocaine féminine de l'exil et l'éducation des femmes, que j'ai constitué dans le cadre du projet d'Eklab FLE du Master Didactique des langues d'Ile. Mais avant cela, je vais vous faire découvrir mon espace d'écrit qui regroupe tous les documents de mon corpus. Ainsi, je vais vous faire part des étapes de l'évolution de mon corpus qui, pour moi, n'était pas toujours un processus assez évident. Ici, nous nous retrouvons dans mon espace Thinklink, cet outil qui nous permet l'utilisation d'objets numériques de visite virtuelle pour accéder à des lieux de monde physique. Et là, nous nous retrouvons à l'intérieur de l'université Al-Qarawiyyin que j'ai choisi comme lieu littéraire pour mon corpus, tout simplement parce que vous l'avez peut-être deviné, mon corpus est par la femme, pour la femme et surtout l'évolution de la femme et le rôle de l'éducation. Al-Qarawiyyin est la plus ancienne université du monde encore en activité et elle a été fondée par une femme, Fatema Al-Fihri, à Fès, qui est devenue dès lors la capitale scientifique du Maroc. Dans cette image, nous retrouvons aussi l'affiche de mon corpus que j'ai choisi de ne pas trop charger pour vous inciter à aller découvrir les autres éléments ainsi que les outils déployés pour les présenter, notamment ThinkLink, mais aussi Geniali, auquel j'ai eu souvent recours pour projeter mes documents. J'ai mis à disposition dans cet espace un sommaire qui regroupe tous les constituants de cette visite virtuelle, ainsi que les références et les ressources des documents ici présents. Continuons la visite, mais cette fois à l'extérieur des bâtiments de l'université, dans sa cour. Cet espace est dédié à mon corpus et tous les éléments qui le constituent, ici regroupés dans une présentation générale. J'ai divisé cet espace en quatre parties. Les trois premières représentent les documents et médias qui composent mon corpus. Nous retrouvons un volet pour celui de l'année dernière qui a été modifié et affiné afin de répondre à la nouvelle thématique de cette année. J'ai gardé donc deux ouvrages de deux écrivains marocains, Les yeux baissés de Taha Ben Jelloun et La civilisation mammaire de Driss À côté, nous avons les biographies des deux auteurs. Les éléments interactifs sur Geniali nous permettent de véhiculer facilement dans les présentations. Ils sont mentionnés par cette icône. Et là, par exemple, si j'appuie sur cette icône interactive, je suis directement dirigée vers la bibliographie de l'auteur. Nous retrouvons les deux autres auteurs. En premier, nous avons Bahaa Trabelsi, avec son roman Une femme, tout simplement, ainsi que deux de ses interviews dans lesquelles elle élabore différents sujets qu'elle traite dans son roman. Notre deuxième auteur est Abla Babou, avec son roman Coup de lune, sur lequel elle s'exprime lors de son interview avec Mustapha Bourkadi, juste après avoir remporté le prix du premier roman de la ville de Dijon. Pour ma problématique, j'ai choisi de m'attarder sur l'évolution de mon corpus et plus précisément l'évolution de sa thématique au cours des semaines de travail. Pendant les TER hebdomadaires, j'ai pu tracer le bilan de l'évolution, des fois décroissant, de mon corpus. Après un feuilletage des différents corpus proposés, je me suis naturellement penchée vers le corpus maghrébin, lequel je me sentais pouvoir plus enrichir, de vue de ma familiarité avec son contexte géographique, mais surtout culturel. Grande passionnée des allées de plan au Maroc qui s'étendent de 1970 à 1979 et qui a connu une explosion de production littéraire motivée par les injustices et l'oppression connues sous le règne du roi Hassan II, j'ai donc décidé de proposer un nouveau corpus avec une nouvelle thématique, pas traité l'année dernière et qui est la littérature marocaine carcérale. Mais après une semaine de fouilles et de lectures, je me suis retrouvée avec une trentaine de romans, avec chacun une dizaine de différents sujets et sous-thèmes. Vous l'avez compris, ce travail nécessiterait malheureusement beaucoup plus de temps. Et je ne me sentais pas en mesure de faire le travail que j'avais en tête, dans le peu de temps que nous avions. J'ai décidé donc de voir s'il y avait moyen de retrouver les thématiques qui m'intéressaient dans le corpus maghrébin déjà présent. J'ai alors puisé dans les romans des auteurs marocains le contexte sociopolitique et j'ai orienté ma recherche vers cette voie. Après un échange avec mes professeurs, nous avons décidé que la thématique devait être encore affinée. J'ai concentré ma recherche alors sur la femme et sa situation dans la littérature marocaine. J'ai retenu deux œuvres des quatre proposées, Les yeux baissés de Taha Ben Jelloun et La civilisation mammaire,
qui tous les deux font de la femme le corps de leurs ouvrages. Pour enrichir ce corpus modifié, j'avais assemblé une bibliographie qui avait la particularité d'être 100% féminine. Après des longues heures de lecture, j'ai choisi deux romans à transcrire en entier qui traitaient tous les deux entièrement mathématiques. Le premier est Rêve de femme de Fatima Mernissi et Femme tout simplement de Baha Tarbesi. 2 semaines passèrent durant lesquelles j'ai pu approfondir ma lecture et me canaliser sur les 4 romans choisis. J'ai donc remarqué que 3 de mes romans avaient encore une particularité en commun, qui était l'évolution de la femme dans 2 contextes culturels différents, à savoir le contexte marocain conservateur, voire étouffant, et l'Occident libérateur. Mon corpus va connaître donc un nouveau changement, puisque je vais laisser tomber le roman de Fatema Mernissi, Rêve de femme, et que j'avais d'ailleurs déjà commencé à transcrire, et le remplacer par celui de Abla Babou, Coup de lune, qui lui trace ce déchirement entre la galanterie à la française et le machisme teinté de sensualité à l'orientale. La dernière étape de la construction de mon corpus fut l'ajout des supports médiatiques sous forme d'interviews orales et écrites. Pour moi, ce processus était la tâche la plus difficile dans la conception de mon corpus. Toutefois, j'espère que ma présentation vous a quand même donné envie d'aller ouvrir toutes les portes de mon espace thinking et découvrir plus mon corpus, ainsi que les outils de création interactive déployés pour le présenter. Je vous remercie.